On fait quoi aujourd'hui? On attend Adeline qu'elle nous ramène le paddle. Et les gars, on va en faire aussi les Magibus. C'est oui. Pas vrai, ça fait 2 semaines qu'on a demandé. Il y a quoi? Oh, une notice. On s'en fout de la notice. Non, goûte. Vous êtes sûr? Non. Oui. Merci. On prend lequel? Tiens. Merci. Bien sûr. On dirait des bonbons. À 3, on mange tous ensemble. D'accord. Oui. 1, 2, 3. Ils sont où les autres? Et où on est? Au Gros du Roi, près du Grand Phare qui a été bâti en 1828 et qui est classé comme monument historique. À côté de la ville à Paris. Mais comment c'est ça? Je sais pas, on en reprend un? Oui. On est où? Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes à la tour Carbonnière. Elle a été construite au XIIIe siècle, son passage étant devenu obligatoire. Par conséquent, il est devenu payant. Les lieux servaient aussi de lieux de guettage. Mais qu'est-ce que t'arrives? Pourquoi tu parles comme ça? Je sais pas. On en reprend. Allez. Oui. Le but. Attends. T'as pas entendu un truc? Bon. Les enfants, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes où? On est où là? Nous sommes au rempart des Gomortes, construit de 1272 à 1300, près de la tour de Constance, mesurant près de 1100 mètres de long. C'est Saint-Louis qui a eu l'idée de construire les remparts pour faire d'Aigues-Mortes le tout premier port de France. D'ailleurs, d'ici, on peut apercevoir les Salins d'Aigues-Mortes. C'est un établissement de la société Les Salins du Midi. Ouvert en 1856, son exploitation remonte à l'Antiquité au Moyen-Âge, car à cette époque-ci, le sel était une denrée très rare. Pourquoi je sais ça? Pourquoi j'ai dit ça? On en reprend un? Allez. On est où cette fois-ci? On est devant la maison carrée à Lille. C'est un temple gallo-romain exhaustif et datant de plus de 2000 ans. Et au fait, vous avez vu Karima? Non. Je crois avoir compris. Vous avez pris quelle couleur? Noir. Ok, cette fois on prend tous le vert et on se téléportera au même endroit. Ok. Ok. Ok, à 3. 1, 2, 3.